Messagerie, votre deuxième recruteur Lorraine et Raphaël Ponce. Bonjour Raphaël. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Eura Energy. Vous avez juste eu le temps de vous asseoir sur votre fauteuil sans, <laughs> sans en chuter. Avec vous, on va parler d'une zone très particulière. On va parler de la région de Dunkerque parce que vous représentez une structure qui est là pour dynamiser le territoire. chez nous ce que fait Eura Energy. Bah écoutez, Eura Energy, c'est un outil territorial qui a été mis en place par la communauté urbaine de Dunkerque sous l'égide de Patrice Fergrit et qui vise à promouvoir, à, à fédérer l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, euh, autour des, des sujets de transformation, de transformation énergétique, de transformation environnementale du bassin industriel Pertuaire de Dunkerque. La tâche est vaste. Oui, la tâche est vaste. Le mot-clé, c'est vraiment décarbonation. C'est l'ADN de la plupart de vos projets. Oui, c est, c est... on tourne autour de, du sujet de la décarbonation depuis, depuis quelques temps, euh, avec euh, un double objectif. Le premier, c'est de moderniser les outils industriels existants. Et un deuxième, permettre l'accueil d'entreprises de, nouvelles qui ont une logique de décarbonation pour, pour leur process industriel. Bon, pour ce fait, on a peu de temps, malheureusement, mais vous avez besoin de beaucoup de monde. Oui, alors on a à peu près 16 000 postes à pourvoir dans les 5 à 10 prochaines années. Année. Ça représente environ 4 à 5 milliards d'euros d'investissement sur le tissu industriel. Donc, euh, effectivement, on a énormément d'activités. On est là aussi pour promouvoir, informer le grand public. C'est une, une tâche aussi importante et, et très, très indispensable. On souhaite redonner une image plus attractive du, 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 des activités industrielles. Pour ça, on va au contact du, du grand public. On essaye d'expliquer les nouveaux métiers qui existent dans cette industrie qui est, qui est, qui est en train de se moderniser totalement, des nouvelles d'avenir pour les jeunes et pour les personnes en reconversion sur le territoire. Alors on précise que vous aussi vous avez été très transparent sur la grille des salaires et on vous en remercie. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous évoquer, nous lister quelques-uns des postes de ces nouveaux postes qui sont à pourvoir et qui sont là aussi pour euh, incarner cette industrie euh, qui va vers la décarbonation Alors nous euh, sur le sur le territoire d'Arcachon, je, je parlais au nom de l'ensemble des, des industriels. Euh, les industriels sont des grands groupes déjà existants sur le territoire, donc offrent des conditions salariales très intéressantes, mais aussi des perspectives d'avenir, d'évolution sur pour pour le, le, le public, pour les jeunes. À ce titre, on peut entrer dans une entreprise à, sur sur un titre d'opérateur et aller jusqu'à des postes de maintenance, voire des postes de direction, de service, des postes de direction d'usine. Donc c'est très varié. Aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, surtout dans la mobilité électrique. Mm -hmm. On va accueillir très prochainement l'installation d'une grande entreprise qui s'appelle Vercor, une start-up qui est en train de, de se créer, qui est en train de monter, un jeune pouce qui va arriver sur sur Dunkerque. Et qui elle travaille sur des métiers classiques, hein, qui sont des métiers d'opérateurs, mais très tournés vers des outils digitaux, des outils numériques, mmh. et donc euh, des perspectives là aussi de, de nouvelles filières pour pour les jeunes est Ce que vous offrez, c'est des carrières notamment. Exactement, on mmh. s'inscrit là de, on s'inscrit là-dessus. Je, mmh. je, je le disais, mais c'est important. Pour nous, c'est vraiment de, de rendre ces métiers de l'industrie très attractifs, mmh. de, re, de, de travailler sur la promotion, sur l'image de ces métiers, parce que c'est un enjeu essentiel. Pour, pour notre territoire. On veut que ces, ces, projets, ces projets industriels bénéficient à l'ensemble de la population et plus largement que le bassin industriel dunkerquois, aussi à toute la région des Hauts-de-France. Parlez-nous de Dunkerque pour conclure en 30, 30 secondes. Trois mots pour définir Dunkerque et la région. <laughs> Alors Dunkerque est une région aujourd'hui qui est en train de se transformer totalement. Euh, depuis quelques années, je, je le disais, sous l'égide de l'ensemble des, 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 des politiques publiques, se transforme, accueille, maintient son activité son historique industrielle, mais surtout, accompagne et transforme euh, ou accueille des nouvelles entreprises pour, pour des, des métiers du futur. Voilà. 16 000 postes. On, on, on postule où, euh, Laurent Alors, il y a 1000 adresses pour postuler. Je vous en donne quelques-unes. Euh, très simple. Je m'installe à dunkerque.fr. Ça, là, c'est ma préférée. Mais aussi, <laughs> bien sûr, Pôle emploi. Pôle emploi où vous allez pouvoir trouver une grosse partie euh, des offres qu'on n'a pas toutes pu détailler. Soudeurs, tuyauteurs, chaudronniers, opérateurs, conducteurs de lignes de production, des responsables de production, des directeurs, des directrices techniques, des électromécaniciens, des électriciens industriels, des ingénieurs énergétiques. Tout ça dans l'agglomération de Dunkerque. Je vous donne un autre endroit. Il y a aussi Dunkerque tout attaché, promotion.org et puis euh, peut-être aussi eedk.fr Entreprendre ensemble. Merci Raphaël Ponce, directeur général dora Énergie d'être venu nous voir. Merci à vous. Dans